toutes et à tous. Nous sommes des professionnels. Nous sommes sur KTV. Et c'est parti. Oh là là, donc un assaut d'entre Jennifer Sribi en rouge et Lauriane Mercier en bleu. Ça part très très fort. Tout de suite. Ah, zone de touche, le bras. Sachant que les deux ont déjà une victoire, nous sommes toujours en qualification pour les seniors féminines. Mais donc les deux ont une victoire et donc elles vont chercher à continuer dans leur lancée par riposte de la part de Jennifer. Pour être de le mieux placé possible dans la suite de la compétition. Et oui, et puisque, parce que ça fait toujours plaisir de gagner des assauts. Et oui, le flanc de la part du tireur rouge sur Lauriane. Attention, défaut de priorité. Ben oui, bien sûr, c'est touché, dit monsieur l'arbitre. On ne va pas présenter monsieur l'arbitre Bertrand Dubreuil. Encore dans le flanc, j'ai l'impression. Allez, Lauriane qui apprend la main. Ah, elle change jambe de hyper. Voilà, car la priorité, on l'a vu, c'est important. Ça a été déjà averti et observé beaucoup depuis le début de la compétition. Et pourtant, nous ne sommes qu'au début. Le tir en bleu, Lauriane en touche. Lauriane en jambe, ouais, rouge. C'est rouge. Ouais, défaut de priorité, elle a été touchée. Attention aux cibles également. On l'a également vu beaucoup, hein, voir des avertissements pour les cibles non valables. Ah, c'est normal, c'est dangereux. Oui, hein. Je ne dis pas, mais en tout cas, c'est les arbitres et les juges sont particulièrement vigilants. Ah, j'ai pas vu qui était observé. Voilà, touche en jambe. Lauriane, la prendre riposte cette fois-ci d'Amélie de Zéliniker qui cherche beaucoup le flanc, qui cherche beaucoup à toucher en flanc. Et encore, la parade riposte en plein vol de Jennifer. Parade erreur riposte derrière. Attention, ouais, je crois qu'il y a une touche de Lauriane en même temps au milieu. Ça devenait un peu lisible aussi le combat là. Et parade riposte. Voilà, le flanc, mais là il y a le bras, on voit le bras de Lauriane qui est déjà un peu zébré de tout. Et la touche en jambe malgré la fronte arrière. Ouais. La tête, c'est la première qui touche. Lauriane qui reprend un peu du poil de la bête qui touche, qui arrive à attaquer en jambe. Ça craque, canne cassée. Ouais. Nous craquons. Allez, craquage. Ouais. Craquage total. Je crois que Lauriane n'a pas fait exprès sur une esquive. Elle a marché sur la canne de Jennifer. Et distance. Comment monsieur l'arbitre? Observe, monsieur l'arbitre, pardon. Ah, esquive, riposte de Lauriane, mais là, Jennifer prend la main. Attention, Lauriane que borde l'air. Jennifer qui la. Lauriane qui réussit à se décaler sur le côté. Et Jennifer qui insiste en bras. Alors, c'est le bras de Lauriane pour Lauriane. C'est Jennifer, c'est cette fois-ci, c'est Jennifer qui borde l'air. Elle reprend la main. Elle attaque en blanc. Encore. On l'a entendu. On considère que c'était un peu haut cette fois-ci. Ce qu'on a entendu, c'est la protection poitrine. Donc c'était haut. C'était trop haut. Elle a cherché la jambe régulièrement sur une parade riposte. Elle est revenue au centre. Il fait tenter les feintes de la direction initiale. Et c'est beaucoup de parade riposte. Renflant. Vite faire qu'insiste. Fin de la première reprise. Engagé cette première reprise. Oui. Engagé. Deux tireurs engagés. Difficile à. Difficile à départager. Moi je donnerais un avantage à Jennifer, hein. c'est pas que je suis team rouge, mais là je lui donne un avantage à la fois de pression, de présence sur l'air. Lauriane, je la trouve beaucoup sur la défensive et j'ai pas l'impression qu'elle a eu beaucoup de situations concrètes pour marquer, alors que j'en vois davantage pour Jennifer. Elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer aussi beaucoup. On nous fait signe de nous rapprocher pour que la caméra. Voilà, on investira dans une caméra. C'est mieux. Ah oui, voilà. En fait, vous savez pourquoi il nous a dit de nous rapprocher? C'est pour que nous aussi puissions apparaître sur la caméra. Il était jaloux. On occupait toute la webcam. Et donc il voulait se rapprocher. Voilà. Donc oui, Lauriane n'a pas eu beaucoup d'espace pour s'exprimer. Non, des deux côtés, hein, les deux priorités, on a vu. Hein, ouais, mais La parade riposte en jambe a bien marché pour Jennifer. Ouais, clairement, les ouvertures en flanc également. Oui, beaucoup de flanc. Ouais. Alors que c'est moins net. Défaut de priorité pour Lauriane. Ouais, défaut de priorité, je pense que ça va être le maître mot un peu de toute la compétition. Il va commencer à distribuer des avertissements si ça continue. Ouais, sur cet assaut, ouais. Attaque et dommage. C'était une attaque vraiment sur le hangar d'aller de Jennifer, mais ça touche pas sur le cible. Les deux font partir en même temps. Ça commence à chez Kahn, un point de pénalité, un point bonus pour le tireur adverse par rouge. Et ça fait toujours un peu pénible. Une deux touches en fesse, c'est pas terrible. Ouais, je vais me faire casser beaucoup en bras. Le flanc. Le flanc, il y a le bras de Lauriane qui le travers. Aïe, j'ai mal pour Lauriane. Parade repose, oui, de Lauriane qui touche. Oui, c'est bien vu. Il est en distance.
Feinte encore de Jennifer Hellman. Ah, c'est bon, qui est zébré. Hyper zébré du coup. Oh bravo, bravo, franchement, franchement, t'inquiète pas, désolé. Non, je sais pas. Il va faire. Ça rapproche en sortie, tout est bien pareil là. J'ai l'impression que ça touche de la part de Jennifer Hellman. J'ai l'impression que Dorian a repris un peu le dessus là, sur cette première partie de la reprise. La deuxième fois que je vois Jennifer faire des croisés bas. Ouais. Ah ouais, non, de croisé bas, croisé bas. J'ai l'impression que j'ai ouais. Ralenti. Ouais. J'ai l'impression. Ah, non, plus. Il y a tout. Ah, il est plan et jambes. J'ai entendu encore la protection. Ouais, la protection est un peu basse. Ouais, je sais pas, mais en tout ça cas. Ça me semblait pas si haut que ça. Non, et surtout, c'est Lauriane qui a pris une observation pour non respect du principe de priorité. Ça touche un Jennifer qui touche, mais alors là, pas sur une zone valable. Attention, monsieur l'arbitre. Et la fin pour entamer le Jennifer qui est en tête, qui insiste en jambes encore. Passé juste sous la garde de Lauriane. Sous la parade de Lauriane. Ouais. Jennifer qui occupe le centre, qui touche, hein. Milieu de canne, etc. Mais elle touche et elle empêche Lauriane de s'exprimer. Ouais, mais toutes ces attaques ne sont pas en milieu de canne, hein. Il y a pas mal de trucs qui sont plutôt nets. J'en vois des moins nets chez Lauriane. Il y a des couches aussi, hein, chez Lauriane, mais il n'y en a pas des aussi nets. Donc là, faut que Lauriane passe encore sous la parade. Ouais, ouais, faut que Lauriane fasse particulièrement attention, qu'elle re-rentre peut-être un peu plus dans la zone. Jennifer, maintient le rythme, parque pas. Ouais. Et c'est l'avertissement. Attention, est-ce que c'est l'avertissement pour défaut de priorité contre le tireur bleu? En tout cas, c'est pour le tireur bleu. Ouais, voilà, défaut de priorité. Les juges sont d'accord. Donc, ça fait un trois points. Ça commence à coûter cher. Ouais. C'est qu'elle se reproduise. Au propos de Jennifer, c'est pas facile. Non, bah Jennifer remarque la pression. Et Jennifer alors je sais pas si on pouvait dire qu'elle partait favorite sur cet assaut. En tout cas, je sais pas. On n'a pas vu Lauriane depuis un moment, je crois, sur le circuit. Jennifer, on l'a vu un peu plus régulièrement, notamment au titre parisien. Elle était arbitre aussi sur le milieu d'avion, par contre, elle était plusieurs. Qui savait pendant le championnat. Nos contacts nous ont dit qu'elle était pas mal entraînée cette saison à Bordeaux. Ils avaient raison parce qu'en fait, la première assaut est clairement allée affûtée. Et sur là, sur cet assaut-là aussi. Maintenant, je vois l'assaut. Oh, oui, pardon, il y a ça. On va checker qui tire à côté sur l'air 2. Ça a l'air d'être Chris. Chris contre. Chris Sylvestre contre Florian Berger. Ouais. Ouais. Et donc là, je dirais qu'un avantage pour reprendre Jennifer. Je vais refaire une deuxième entreprise. Clairement plus affûté, plus. Plus mordant, plus. Elle donne moins l'impression d'être fatiguée aussi, clairement. Lauriane marque un peu le pas physiquement, en tout cas, de mal à suivre la pression. Le bras de Lauriane est un peu marqué. Et c'est parti pour la troisième reprise. Et j'ai l'impression qu'en termes de physique aussi, je trouve Lauriane plus fatiguée dans ses assauts que leurs adversaires. Que ses adversaires, pardon. La Jennifer a l'air de moins marquer le coup. Ça passe sous la garde de Jennifer, mais qui casse la distance pour ne pas subir un enchaînement. Jennifer qui part avec son épaule, elle prend la main, là on la voit. Les deux sont dans la directrice. Là ça fait bonjour en fait. Jennifer qui continue à maintenir la pression. Attention, les deux. Et oui, tireur bleu, faut qu'elle se méfie, elle a déjà pris un avertissement. Ouais, mais en même temps, elle est obligée de prendre des risques parce que comme elle est en retard sur l'assaut, et ben pour rattraper, il va bien falloir mettre soit faire autre chose, soit prendre des risques. Ah, tête, c'était très joliment fait de la part de retouche en tête. Lauriane, elle a peut-être trouvé un truc, elle a peut-être trouvé un truc. Ouais, encore une fois en tête, mais je suis à distance. Je sais pas qui est arrivé en premier. Il faut qu'elle passe la parade à de Jennifer. Parade de elle vient encore taper le bras. Ouais. En fait, Lauriane tire en gauchère, elle est gauchère. En tout cas. Ouais, mais les deux font des changements de garde défensifs. Ouais, hein, mais Lauriane tire à gauche principalement. D'accord. Il débute beaucoup. Ouais. Donc en fait, Peter, je pense qu'elle n'a pas trop l'habitude de tirer contre un gaucher, mais une gauchère, et donc elle va sur le bras. La touche de Lauriane.
la deuxième touche. Faut qu'elle grappille, faut qu'elle prenne tous les points qu'elle peut. Oh, le flanc ralenti. Et ouais, mais je crois que Jennifer est la priorité. Ah, c'est oui, je parlais de Jennifer. Parce que les deux ont la deuxième aussi. Et Jennifer qui continue, voilà, qui part avec les points. Encore sur le bras, encore une fois. Il y a rouge. Jennifer qui est 6 sur la parade, riposte. Jennifer qui ne lui laisse pas le temps, elle est toujours en train d'avancer sur elle, de lui mettre la pression. Signe. Alors il y a une petite touche, ça touche, ouverture. Jennifer qui est moins mince. Parade, riposte. Ah ouais, on voit Lauriane souffler là, ça a l'air dur. Ça a l'air d'être dur. Ouais, mais moins incisif. Sur cette dernière reprise. Ouais, ouais. Lauriane s'est mis plus adapté à ce qu'elle. Ouais, mais comme Jennifer avait l'avance, je pense plus que l'avertissement, plus que l'avertissement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je pense que là, Jennifer est devant. Donc, on va voir ce que ça donne, mais il y a de grandes chances que ce soit une nouvelle victoire de Jennifer. Nous allons voir tout de suite. Ouais. Quelques instants, pendant que vous n'avez pas dans les coulisses, je suis en train de régler la prochaine scène. Et pendant que les juges sont en train de comparer leurs résultats sur les kickers. Donc, non, moi je veux pas. C'est Martial qui vient proposer de changer. On va tourner, je vais laisser ma place, je règle, je fais le réglage. Voilà, les juges retournent à leur place, l'arbitre indique le résultat à la fin quand même. Théo va annoncer. Comme voilà. Ce qu'on a vu. Ouais, on peut lancer. Ouais. Sans trop de surprise. Ouais. Je pense que l'avertissement et le lâcher de canne. Ouais, ça a coûté cher. Plus les touches qui étaient très nettes de la part de Jennifer, un peu moins nettes de la part de Lauriane. Donc, victoire relativement. Victoire de Jennifer, donc qui se place bien, parce que deux victoires. Ouais, qui part bien, qui lui restera un assaut dans qualification. Et puis, qui revient pour qui. On a Jennifer. Ah non, son dernier assaut, c'est pas qui. Oula, je ne sais pas, c'est loin. Ouais, il faut faire un contrôle sur une feuille de papier, c'est extrêmement difficile. Alors qu'on va manquer de temps, donc vous allez chercher ça avec Martial, je vous laisse ma place. Avec un combat intéressant entre teams. Première des championnats de France. Championne du monde en titre. Et Amélie Pinel qui était troisième championne de France, effectivement. Donc ça va être un bel assaut. Allez, transition, à tout de suite. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association, Cannes TV, ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOASO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergements ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos. Et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.